Asli zanzu ashe mliche tubulim tu kana haya. Kuomba ule kadwa la. Ule mtu ajina majevo tout dinen van mus. Je te jure. Subhanallah. Astaghfirullah. Subhanallah. Vraiment un chétoine combo. Pire que chétoine, je te le dis. Il n'y a pas pire que lui. Il a dépassé le degré de chétoine. Mais. Oh. Tout le mal qu'il fait aux gens, il a dépassé le degré de chétoine. Subhanallah. Cousin, je ne lui ai même pas laissé le temps de finir de parler que je lui ai giflé devant tout le monde. Quoi? Oui. Tu as osé faire ça, cousine? Bien sûr, cousin. Oui, c'est vrai, j'étais là. Elle a giflé très, très fort. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, j'étais là. Cousine, t'es la meilleure. En tout cas, bien fait pour son petit chapeau. Cousine, tu mérites. La ilaha illallah. Mon Dieu, merci. Ma cousine m'a défendu. Ma cousine a pris. Oh là, je sais plus quoi dire. Cousine, tiens, tu prends la carte là, tu achètes ce que tu veux, cousine. Va au magasin. Le code, c'est 112. Tu achètes ce que tu veux, cousine. Ah! Merci, mon cousin. Ma cousine a osé gifler Kombo devant toi. Subhanallah, merci, mon Dieu. Voilà la correction que Kombo mérite. Ah! Cousin, la prochaine fois, il n'osera plus, mais plus jamais de sa vie insulter les femmes. Ça, c'est sûr, cousine. Moi, je te dis une chose. Si jamais j'étais là, cousine, j'allais l'achever. J'allais profiter pour l'achever. Voilà, Billahi. Je n'ai pas fini avec lui. Moi non plus, je n'ai pas fini avec Kombo. Et c'est loin, très loin d'être fini avec Kombo. En tout cas, cousine. Merci, cousine. Cousine, merci. Cousine, lève-toi, on va au magasin. Je te conduis au magasin. Souraya, je vous conduis toutes les deux au magasin. Là, on y va. Je vous conduis au magasin. Tu achètes ce que tu veux. Ah, tu es là. Je croyais que tu n'allais pas venir. Je commençais à me poser des questions. Mais écoute, ici, il y a beaucoup de gens qui passent. Je préfère qu'on trouve un petit endroit tranquille. On va parler tous les deux, ok? On va aller au magasin, là, parce que j'ai prévu d'acheter des choses aussi. Pour toi et pour moi, bien sûr. Ok, on allez, y viens, va. Viens, on y va. Ma chérie, si je t'ai appelé aujourd'hui ici, c'est pour parler vraiment de nous deux. Oui, je t'écoute. Je sais que il s'est passé beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses dans le passé, mais je veux que tu considères. Moi, aujourd'hui, je te dis, le passé, c'est le passé, présent, c'est le présent, et futur, c'est le futur. Parlons du présent et du futur. Ok. Je sais que dans le passé, j'ai fait pas mal de choses que toi, tu n'as pas appréciées, tu n'as pas aimées. Ça t'a poussé à aller vers une autre personne. Mais pour te dire, je t'appelle aujourd'ici pour te dire que j'ai beaucoup regretté et je veux qu'on reprenne notre relation. J'ai beaucoup regretté. Et aujourd'hui, je comprends que tu es la seule personne que j'aime, qui peut me comprendre, qui peut me supporter. Et depuis notre séparation, j'ai essayé de faire un peu ma vie, mais je n'ai pas reçu et je veux qu'on reprenne notre relation. On a un enfant en question, un enfant qui grandit bien, qui me ressemble beaucoup. Même quand tu vois l'enfant, tu vois mon visage, bien sûr. Donc, et tu sais qu'un enfant ne peut pas avoir deux pères. Moi, je suis l'unique père. Donc, pense à notre enfant, pense à notre avenir, pense à notre amour. Ok, écoute, ta maman m'a déjà parlé de cette histoire. Oui, elle m'en a parlé, oui. J'accepte, mais j'ai mes conditions, Kombo. J'accepte déjà tes conditions. Sans que tu les dises, moi, je les accepte déjà. N'importe quelle condition que tu vas imposer, moi, j'accepte. T'es sûr? Je suis sûr et certain. Ok, je commence. Ma première condition, c'est on doit obligatoirement se marier à la mairie. Il n'y a pas de souci. On doit faire un mariage droit commun. Comme ça, je suis sûre et certain qu'on est officiellement mariés.
Je comprends ce que je dis. Je suis d'accord. Que monsieur le maire tamponne et signe, toi tu signes et moi je signe. T'as compris? Comme ça, Changou, Charo, Charo, Changou. Je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Deuxième condition. Je ne veux plus jamais que tu fasses tes bêtises que tu faisais auparavant là. Les bêtises là, je n'en fais plus. C'est sûr et certain. Là maintenant, tu le dis. Mais je ne sais pas après.